Salut les amis, deuxième session de raid Mewtwo. Mewtwo Frapsy débarque dans les raids et on part de suite à la chasse une nouvelle fois au Shiny et pourquoi pas au 100%. Je sors tout juste du travail et j'ai un raid de Mewtwo juste à côté et donc on va en profiter pour le faire Mewtwo cette fois-ci avec Frappupsy qui est honnêtement pour moi la meilleure attaque à avoir sur Mewtwo. Donc du coup c'est l'occasion d'essayer d'en faire pas mal, la deuxième attaque Legacy donc qui peut être forcément très utile pour combattre et d'avoir du coup le meilleur combo d'attaque Psy et bien sur le jeu. Donc on va essayer de pouvoir faire un maximum de raids, toujours à la recherche des bonbons L pour terminer de recharger non 100%. Mais si on peut également sortir un Shiny de cette version, ce serait honnêtement plutôt assez cool. Allez, le premier raid va commencer. On va être donc 7 pour combattre. Donc nickel, ça suffit largement pour pouvoir le tomber. Donc premier raid là du retour avec Mewtwo Frappupsy. Alors j'ai déjà un bon Mewtwo avec Frappupsy dessus puisque je l'avais eu en échange chanceux. Je lui avais ajouté l'ombre. Pour ceux qui ont suivi un peu les précédentes vidéos, je l'avais un peu présenté. Mais c'est vrai que ça reste à mon sens le meilleur combo d'attaque qu'il puisse avoir sur Mewtwo. Une attaque rapide Psy avec Frappupsy en seconde attaque, à mon sens ça reste le meilleur. Et l'objectif encore une fois c'est d'aller chercher principalement les bonbons L puisque j'en ai pas encore assez, il m'en faut 296 et je crois qu'il m'en manque encore 140 pour pouvoir recharger au niveau 50 mon premier Mewtwo 100% chanceux. Et petite chose assez importante, c'est que ben voilà, on est avec le 100% là actuellement, donc celui que j'aimerais bien recharger. Et petite chose aussi importante, c'est que j'ai eu un deuxième Mewtwo en fait 100% là dans les raids pendant que j'en faisais tranquillement chez moi, et j'ai eu un deuxième du coup avec l'ombre. Donc ce qui fait que j'ai même deux Mewtwo 100% à recharger, alors peut-être pas les deux au niveau 50, même si ça pourrait être intéressant, et surtout encore préparer comme la fois précédente, et eh bien la méga évolution, enfin les méga évolutions, puisqu'on a méga Mewtwo X, méga Mewtwo Y, et donc du coup voilà, il va falloir essayer d'aller chercher tout ça, et j'espère que ça va le faire. Si je sors un Shiny également, je serai pas contre. Alors des Shiny Frappupsy j'en avais déjà, sur lesquels j'avais un peu plus de mal à en avoir, c'était les Shiny l'ombre, puisqu'ils ont été moins disponibles, enfin pour ma part ils ont été moins disponibles en raid, puisque je les ai pas fait au tout début, mais je les ai rencontrés dans les raidex pendant 5 ou 6 semaines, et donc du coup on était limité à 1 ou 2 raids maximum par semaine avec l'ombre, donc forcément c'est la forme de Mewtwo que j'avais le moins. La forme est avec Frappupsy étant disponible dans les raids classiques, dans les raids 5 étoiles. Donc du coup voilà. On a donc terminé ce premier raid où on est sur un 28-89-99. J'ai pu voir quelque chose comme ça. De pas être foufou. J'ai pas eu de succès de dresseur, mais ça c'est pas encore trop dramatique. On va voir du coup. Il est pas shiny. Il est pas shiny. On va essayer de le capturer. En tout cas, ils sont boostés météo, ça fait plaisir. Ça permet d'avoir des Mewtwo un peu plus gros et qui nécessitent moins de bonbons pour les recharger. Et on va du coup pouvoir le capturer. Alors bien évidemment, comme toujours, comme pour tous les légendaires, on commence avec l'abbé Nanana de façon à faire le maximum de bonbons de capture. Et si jamais ça ne veut pas rentrer, on passera bien évidemment sur l'abbé Frambi Doré. Puisque faut quand même essayer d'assurer, hein, d'assurer le coup et de faire en sorte qu'il puisse rentrer dans l'honor ball. Donc ça, c'est nickel. Allez, s'il te plaît, attaque que je puisse envoyer la ball. Essayer de te capturer. Il a décidé. Non, c'est bon. Parce que parfois on a des Mewtwo kangourou. Parfois on a des Mewtwo kangourou et un petit peu galère de les capturer. Allez, on va le faire rentrer. Et il est rentré Benanana, ça fait plaisir. Du coup on a 6 bonbons, et combien de bonbons L? 4 bonbons L, ce qui fait que je suis à 176, donc il m'en manque encore 120, donc on va faire encore une quarantaine de raids pour essayer de l'avoir, et au niveau des stats, on est sur quelque chose de très mauvais, donc du coup pas de bon IV, pas de shiny, on va bien voir ce que donne le prochain raid, essayer d'avoir mieux que ça, parce que là honnêtement c'est pas terrible. Allez, on va enchaîner un deuxième raid en direct du stade des Costières, l'antre des Crocos, l'antre du Nîmes Olympique qui va bientôt disparaître puisqu'il y a un projet de nouveau stade. Ils sont en train de construire un nouveau stade provisoire et voilà, les Costières qui vont bientôt disparaître, donc on va attaquer
directement ce nouveau raid, et bien directement voilà, au niveau du stade arène que je vous ai jamais présenté, parce que c'est vrai que c'est assez loin de chez moi, mais voilà, il y a une arène ici au stade. Et pour ceux qui connaissent, voilà, c'est l'antre du Nîmes Olympique et des crocodiles. C'est dans le 4, mais ça suffit largement. Il fait déjà meilleur en termes de temps que la semaine dernière, parce qu'on était à 39 degrés, cette fois-ci il y a une descente de 26, donc déjà ça c'est beaucoup plus agréable pour faire les raids. En tout cas, le seul petit problème, il y a du vent. Il y a du vent, j'ai essayé de camoufler le micro au mieux, mais c'est pas garanti que ce soit sans bruit de vent, voilà. Donc on essaye de faire au mieux. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir investir dans un micro spécial, mais ça devrait pas tarder, vous inquiétez pas, dans les vidéos à venir, dans les mois ou dans les semaines prochaines, il y aura quelque chose de beaucoup plus agréable pour couper un petit peu tous les bruits extérieurs. Voilà, donc j'essaierai d'avoir une protection pour le micro et d'arrêter de le faire avec le kit maniable du téléphone. Mais voilà, c'est un investissement et pour le moment c'était pas forcément évident. Déjà que j'investis pas mal pour le stream, pour pouvoir reprendre les streams à fond et pas que sur Pokémon. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas connaissance de ma chaîne, vous avez la chaîne Twitch dans la description, twitch.tv/merine avec le underscore. Et on se retrouve pour beaucoup de live Pokémon Go, déjà tous les mercredis, heure de raid. Alors les heures vedettes vont sûrement reprendre également tous les mardis. Également les événements spéciaux comme les Community Day, comme les GoFest, comme les Safari Zone, comme voilà, les gros événements importants. Donc ça également en live sur ma chaîne Twitch. Et il y aura d'autres jeux qui vont revenir également avec un planning voilà, qui sera dispo sur les réseaux sociaux. Donc si jamais le stream et mon stream vous intéressent, n'hésitez pas également à faire un tour donc, sur ma chaîne Twitch, lien dans la description, mais également sur mes réseaux sociaux. J'essaie de poster de plus en plus de contenu et de stories sur Insta. Un petit peu mes aventures Pokémon Go sur Twitter et voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver, donc n'hésitez pas également à faire un tour sur mes réseaux sociaux qui se trouvent également dans la description pour ne rien manquer de toute mon actualité. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est gratuit et ça permet de me soutenir également, donc voilà, ça coûte rien. Alors qu'on termine ce raid, donc voilà, il a tonnerre, donc ça va, c'est pas une attaque les plus embêtantes par rapport aux Pokémon que j'utilise là, ce serait très dommageable s'il avait Exploforce, ce qui n'est pas le cas, donc ça c'est cool, on va pouvoir terminer ce deuxième Mewtwo normalement et pouvoir procéder directement dans la foulée à la capture. Il nous reste un quart de la vie restante, on est 4, mais on est 4 avec des comptes assez dotés en Pokémon pour combattre, donc ça c'est assez cool. Et donc on va voir, alors qu'on a utilisé une équipe complète et que les Tyranocifs débarquent. Alors le problème de Tyra, c'est si jamais il y a Exploforce et la plupart des Pokémon ténèbres dans l'ensemble, si jamais il y a Exploforce en face, c'est assez dramatique. Puisque ça one shot, et dans ce cas là le Mega Léviator est pas mal, et Léviator de manière générale est vraiment assez cool pour pouvoir combattre Mewtwo, puisque il n'a pas la faiblesse combat, et donc ça c'est plutôt génial, du moins le Léviator, parce que Mega Léviator a la faiblesse du fait qu'il chope un type ténèbre. Alors 23-51, on n'est plus boosté météo. On a perdu le boost météo alors qu'on a toujours du vent, c'est un peu dommage. Et on va pouvoir du coup procéder à la capture de suite du marcheur américain pour mes 7 km hier. Et donc là, on va vérifier de suite. Et il n'est pas automatique. On va essayer de le capturer. Allez, il est rentré, des frambis dorés, on va checker rapidement les stats, il n'est pas trop vilain, et 4 bonbons, encore une fois, ça fait plaisir. Bon, il n'est pas vilain, mais ça restera pour les échanges en tout cas, et on va essayer de trouver encore un nouveau raid pour aller à la recherche au plus shiny. Allez, le troisième raid va démarrer, on va pouvoir enchaîner du coup un troisième Mewtwo, ça s'enchaîne bien, j'en ai pas mal dans la ville, donc je peux en faire quand même pas mal, c'est assez cool là en sortie de travail. Donc on va essayer du coup de tomber ce troisième Mewtwo.
Et on est reparti, j'ai soigné les Pokémon parce que j'ai vu une hécatombe sur le raid précédent, mais normalement ça devrait pouvoir le faire, on devrait pouvoir le tomber, on est un peu plus nombreux que le précédent. On l'a tombé à 4, cette fois-ci on est à 6 avec une personne de plus qui m'a rejointe, et donc ça c'est cool. On peut en enchaîner quand même quelques-uns et je vais essayer de refaire encore un ou deux, histoire de voir si on arrive à avoir un chromatique de plus avec l'attaque frappe psy. J'en ai eu deux je crois avec l'attaque balombre. Il me manque plus cette fois-ci à en avoir avec frappe psy pour compléter la collection. Et donc on va essayer du moins de le tomber. Si c'est pas dans ces 4 ou 5 raids là, bien ce sera peut-être plus tard, peut-être la semaine prochaine. Pendant l'heure de raid, on va voir ce que ça donne. On va déjà terminer de combattre celui-là et essayer de le capturer. Allez, raid terminé une nouvelle fois. On va voir à combien ça descend. Ici, des shiny. 23,54, on est dans les mêmes IV que le précédent. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant cette fois-ci en termes de couleur? On va bien voir ça, alors que j'ai 0 succès de 2 dresseurs. Voilà, ça c'est fait. J'invite et je ne suis pas récompensé dans les succès de dresseurs, mais pas non plus dans la couleur du Mewtwo, qui est tout à fait normal. Plus qu'à procéder à la capture, on va essayer de le faire rentrer pour choper du bonbon L. Donc mission capture activée. C'est parti, on va essayer s'il attaque, s'il veut bien attaquer, de le rentrer une fois de plus. Il est rentré Benanana une fois de plus, ça c'est cool, ça fait du bonbon. Ça fait même beaucoup de bonbons à force, 691 bonbons Mewtwo, 183 bonbons L, ça monte. Et voilà, il est un peu meilleur, mais c'est pas encore la folie. On va regarder si j'en ai dans le radar, la proximité. Celui-là, celui que je viens de faire, et oui, j'en ai un, pas très loin, j'en ai pas. Voilà, juste à côté, c'est parfait. On va enchaîner directement sur le Mewtwo suivant, voilà. Je me rends sur place, et puis... on attaque un quatrième et je pense même qu'on aura le cinquième à côté, donc ça c'est parfait. Bon ça y est, je suis arrivé sur place, on va pouvoir enchaîner du coup ce quatrième raid, arène Fontaine Jean Jaurès, une arène que j'avais rajoutée il y a quelques temps maintenant et on va pouvoir combattre un nouveau Mewtwo. Allez, quatrième raid terminé, on va voir de suite, c'est en train de descendre. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose d'intéressant? J'ai eu spécialiste endurance, mon Pokémon qui est resté longtemps en combat, et il est normal, et il est 23-30, ce qui n'est pas vraiment très fou, plus qu'à le capturer maintenant. J'ai loupé le premier lancé, je vais faire un peu l'arrache, c'est super, on va essayer de faire de l'excellence cette fois. On va refixer comme il faut le cercle. Voilà, et on va remettre de la baie Frambi, de la baie Nanana pour commencer. Histoire d'essayer de faire le plein de bonbons. Et on va essayer de le faire rentrer. Il est rentré rapidement, Benanana, du coup 6 bonbons et 3 bonbons uniquement, 186, on monte, encore 110 et ce sera parfait, j'ai pas fait gaffe aux stats, il est pas exceptionnel, on va essayer d'en trouver un dernier à combattre et je regarde si j'en ai un autre que celui-là plutôt que d'attendre, on va bien voir, bon, voilà, dans tous les cas il faut attendre, donc on va... attendre le prochain raid et partir de nouveau, et donc une nouvelle fois en combat pour un dernier raid Mewtwo avec Frappe Psy.
les derniers raids sur une arène que j'avais déjà raidé la semaine dernière. Mural Train qui se trouve pas loin de la gare et juste à côté du nouveau cinéma du CGR de Nîmes. Donc dernier raid de la soirée, on est 5 pour terminer. Et je voudrais quand même dire un grand merci aux subs de ma chaîne Twitch qui m'ont donné un coup de main sur ces raids. J'ai posté un petit message sur mon Discord si des subs voulaient m'aider à participer à faire les raids pour la vidéo. Et du coup un grand merci à Jaster, à Didou Iris, à Dekma, à Minato. Il y a eu également Séverine qui a participé sur un des premiers raids. Merci beaucoup à vous, en tout cas, merci beaucoup, puisque ça me permet, alors que l'alarme qui s'était lancée avant que le raid ne démarre, redémarre encore une fois, ça m'a permis de pouvoir enchaîner les raids facilement, donc encore un grand merci à vous pour votre participation et pour m'avoir aidé à voilà, avoir fait les raids tranquillement, sans me prendre la tête, en sortant du travail, donc ça fait vraiment plaisir. Délocaliser un petit peu plus loin avec le bruit d'alarme, c'était un peu insupportable. Le dernier Mewtwo est rentré, du coup bon, il est pas terrible hein, comme dans la lignée de tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est pas foufou. On arrive du coup à 700 bonbons Mewtwo, à 189 bonbons. Il va m'en falloir encore de façon à pouvoir recharger au niveau 50 et eh bien le 100%. Alors on va regarder également hop les Mewtwo et 4 étoiles et également chromatique. Donc ce qui fait que, bon il y a Mew parce que j'ai marqué Mew mais je me suis un peu foiré. Mais ce qui fait que là dernièrement j'ai réussi du coup à avoir un deuxième Mewtwo 100%, celui-là. Coup Psycho Ballombre le 1806. Et également du coup deux chromatiques dont un Shiny 96% qui fait plaisir, qui partira en recharge également à celui-là qui est un bon qui va partir à l'échange. Donc voilà un petit peu ce qu'il en était concernant cette vidéo sur les raids de Mewtwo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, également ce que vous avez pu avoir concernant les Mewtwo pendant cette quinzaine dans laquelle il est disponible en raid. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à le faire savoir dans les commentaires. Et je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Pour ne pas manquer de prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Pokémon Go. Salut tout le monde!